tu sais que tu nous as confrontés à toi. Nous, les jaloux, tu nous as confrontés. Ah mais je t'ai dit. Oui, tu nous as confrontés à toi. Là, tu ne parles pas de ça. Tu nous as confrontés. Là, la maison, là, elle est belle, hein? Ouais, elle est superbe. Mais tu sais qu'en la divulguant, tu allais nous faire mal. Ouais, mais ça crée toujours des jaloux, de la jalousie. C'était un statut visé. Pas visé, pas fait exprès, mais bon. C'est pour montrer qu'on peut être coupé, décalé, DJ, et puis avoir un palace. Parce qu'on a l'habitude de voir les reggae. Mets-moi cette musique, frère. DJ va. Parce que Moulukoukou même il cache, il a un gros palace qui est pas à Yopougon qui donne sur l'eau. Il te dit. Mais il fait comme s'il n'y a rien. Il s'agit de Kejivara. Il fait comme s'il n'y a rien. Non mais c'est ce que tu dis. En tout cas, félicitations à toi. Félicitations à toi. Aussi. Félicitations à toi. Parce que Kejivara, tu sais, on va pas te caresser dans le sens du point. On te dit ce que tu es. Et je pense à l'unanimité. Ouais. Quand on parle de Kejivara, tout le monde dit que c'est quelqu'un de très concentré, très sérieux. Aujourd'hui. On te voit sur les réseaux sociaux avec des agences immobilières en train de travailler, de construire des maisons. Ça, c'est très bien. Aujourd'hui, tu as ta maison. Quel est le sentiment déjà? Ben, il faut dire que c'est pas forcément la première maison. Eh. Ben, ah, c'était tu as commencé, vous t'avez dit. Nous, on est devenus sorciers. Non, mais c'est ça, il y a trop de sorciers, les gars, ils sont jaloux, hein, mais bon, fais avec. Il faut travailler. Tu as combien de maisons en ce moment-là? Une dizaine. Oh! Mets-moi les solos!